vocation de l'association, première, c'est de l'éducation des publics à l'image. Nous, on part du principe que pour que l'enfant ou l'adulte comprenne les mécanismes, il faut créer ses propres images. Voilà, donc le pourquoi de ces ateliers, voilà, c'est la création d'images pour que le participant comprenne tous les mécanismes et qu'en même temps, il apprenne à avoir du recul sur toutes les images qu'on peut recevoir aujourd'hui, que ce soit à la télévision, au cinéma, sur Internet. Les participants sont des jeunes du secteur de Nocelles, parce que là, cette année, on a proposé au CAN de collaborer avec eux. Alors le stage se déroule sur 4 après-midi, et le but étant de partir de zéro, voilà, d'écrire une histoire, de la transformer en storyboard, de construire les personnages, les décors, de tourner, de monter, et après voilà, de visionner. C'est Thomas Meyer, c'est un intervenant de l'association, voilà, un membre de l'association, qui lui est spécialisé en cinéma d'animation. Voilà. Il est par ailleurs aussi professionnel là-dedans. Alors le film d'animation, on va faire, si tout se passe bien, quelle durée ? Ah, c'est toujours ça le problème. Je pense 1 minute et demie. Voilà, ce qui est déjà beaucoup en 4 après-midi. Cinéma d'animation, c'est 12 images pour faire une seconde. Normalement, c'est 24, mais on triche un peu, donc c'est 12 images. Et donc, voilà, il faut le temps de faire l'acquisition. Avec des fois des petits soucis, il faut recommencer, donc c'est 1 minute et demie, c'est déjà beaucoup. Ce qu'on espère, nous, c'est de faire des émules sur le secteur de Nocelles. On espère à la rentrée mettre sur pied un autre atelier, tout public, mais adulte, plus adulte. Voilà, et on espère en même temps avoir des jeunes à cet atelier-là, quoi. Voilà, le but étant que toute l'année, sur Nocelles, il y ait des rendez-vous comme ça, avec le cinéma d'animation, comme il y a avec le sport, comme il y a avec d'autres disciplines.